L'activité, gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'était pas les actions, gloire à Dieu. Il est venu pour une tâche qu'aucun homme n'a le pouvoir de faire, que la chair ne peut pas faire, même comprendre. Gloire à Dieu. Amen. Sa tâche est incompréhensible à la conscience de l'homme. C'est impossible à l'homme de comprendre la responsabilité, la gravissime, gloire à Dieu, de Jésus-Christ, du travail que le Père lui a donné. Ta conscience ne peut pas tenir Jésus-Christ, gloire à Dieu, a la responsabilité sur la terre de mettre sur pied une autre vie, gloire à Dieu, que le monde n'a pas vu, que le monde ne connaît pas, gloire à Dieu. Amen. Il vient avec une vie qui est insensible du bonheur du monde, gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que vos bontés qui sont dans l'arbre, dans la vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le malheur qui est dedans, on a pris ma maison, on a pris ma femme, je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas voyagé, amen. Je n'ai pas mangé, gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Je n'ai pas payé le courant, gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Je suis malade, gloire à Dieu. Amen. Il a une autre vie, gloire à Dieu, amen, qui n'est pas celle-là. Il faut bien comprendre. Quand on te dit que donne ta vie à Jésus, c'est quitte la vie qui a le bien et le mal, la conscience du monde, gloire à Dieu, amen, pour entrer dans une autre vie. Il faut bien comprendre. Peut-être que tu n'as jamais été chrétien, peut-être qu'on ne t'a jamais prêché le vrai évangile, et tu es resté dans le sang qui a une autre vie, alors que Jésus, son sang a coulé, sur moi. Son sang a coulé pour mes péchés. Gloire à Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu qui enlève la conscience de mon péché. Gloire à Dieu. Amen. Et qui enlève la vie qui peut me faire pécher. La loi du péché. La loi de la vie du péché. La loi de la conscience, de l'esprit et du péché. Et annuler. Le péché vient par l'âme. Quand tu ressens, gloire à Dieu, si tu ressens bien, tu vas aimer le diable. Si tu ressens mal, tu vas dire que tu détestes ton frère. Amen. Amen. Donc,
c'est la parole de Dieu. Il enlève l'âme là. Gloire à Dieu. Il enlève la conscience là. Si quelqu'un te fait de bien, tu vas commencer à l'honorer. Amen. Mm. Il va être ton Dieu. Si ta force t'aide dans ce monde, ça va être ton Dieu. Et tu vas dire que Dieu est avec toi. Alors, parle ici profondément de la conscience du Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un te fait le mal, gloire à Dieu. Alors là-bas, ton âme ne prendra pas plaisir. Son nom, ça c'est le sang de l'injustice, c'est la vie de l'injustice. Jésus-Christ a la responsabilité gravissime d'amener sur cette terre, gloire à Dieu, une vie qui ne ressent ni ton bien, une vie qui ne ressent ni ton mal, gloire à Dieu, amen. Une vie qui se contente du ciel, de la vie éternelle, de l'émotion du ciel, d'amasser au ciel, de prospérer au ciel, une vie d'en haut, une vie inconsciente dans ta conscience, une vie inconsciente de la vie de ce monde, une vie qui ignore complètement la vie de ce monde, la famille de ce monde, gloire à Dieu, amen. Son nom, c'est la parole. L'amitié de ce monde, cette vie ignore complètement. Elle est ennemie à 100% de la vie de ce monde. Alors, est-ce que Jésus a réussi sa commission que le Père lui a donnée auprès de toi? Celui qui me mange vivra par moi. Terminé. Je suis ici. Si vous ne naissez de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Voilà Dieu. Amen. Une personne qui l'a créé. La vie, s'il ne connaît pas le découragement. Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne connais pas le découragement. Il faut bien comprendre la responsabilité qui gravissime, qui repose sur l'épaule de Jésus. Amen. Amen. Il est venu mettre sur pied une vie qui ne connaît pas de lourdeur, de monotonie, de découragement, de mauvaise nouvelle ou de bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle de cette vie, c'est la vie éternelle. Et la seule mauvaise nouvelle de cette vie, c'est le feu éternel. Donc, il ne va pas avoir la lourdeur. Il n'est pas là dans les réflexions. Gloire à Dieu. Une vie qui n'a pas de soucis pour les choses présentes parce qu'elle n'a pas conscience, gloire à Dieu, des choses présentes. Elle ignore notre vie qui attend les choses du monde, qui calcule, qui a les mauvais, qui a les faux espoirs que peut-être demain il y aura telle chose. Peut-être demain, la vie s'il n'a pas ça, la vie s'y accomplit. Gloire à Dieu. Amen. La vie, c'est la vie des témoins qui, quand les problèmes commencent, leur force augmente. Le problème, c'est pour le sang de la chair. Amen. Amen. Le problème, c'est pour la vie concrète. Quand elle est menacée, quand Jésus veut déjà la tuer. Amen. Mm. Tu la vois là, elle commence déjà à vouloir se plaindre de son sort, à vouloir arranger et crier à l'aide. Tu vois les gens, quand la croix devient un peu dure, que Jésus veut déjà les tuer, ils commencent à accepter les conseillers. Un conseiller qui va t'enlever de la consécration. Amen. Amen. De Dieu où tu étais. Ils commencent à te dire que regarde, je peux financer pour toi un projet d'apprentissage. Amen. Mm. Pour que tu apprennes un métier. Et comme ça, ça ne va pas toucher tes heures de prière. Et que ça ne va pas toucher tes heures du matin et de soir. Amen. Et puis tu vas servir Dieu. Ici, il n'était pas question, amen, de m'aider à gagner la vie là. Amen. L'absence des moyens et des provisions dans la vie de l'homme nouveau, c'est préparé, programmé par Dieu. Amen. Amen. Dieu le veut complètement. Il ne doit plus compter sur lui-même, même pour manger, même pour se vêtir. Il doit maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Terminé. Tu mets encore ta confiance en toi-même, dans tes calculs, dans tes raisonnements. Tu es chaud dans ton appel, dans la responsabilité que Jésus t'a donnée, dans la voix du témoin. Tu n'as pas la conscience de l'appel de Dieu. Ton appel était de mettre sur pied une vie que le monde ne connaît pas, qui est capable de souffrir sans se plaindre, sans savoir. Gloire à Dieu. Amen. Et vaincre, traverser. La Bible parle des gens qui murmurent de leur propre sort. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne peuvent pas être des pères. Ils ne peuvent pas être des sacrificateurs. Ils ne peuvent pas être des gens qui vont faire des disciples. Gloire à Dieu. Amen. Ils quittent leur consécration quand l'heure vient de mourir. Quand ils sont à côté de la victoire, tout près de la victoire, ils vont
rétrograder. C'est là-bas qu'il commence à aller maintenant prendre les conseils de maman. Amen. Et puis il rétrograde. Maintenant il a un petit travail à temps partiel. Amen. Et puis c'est Dieu à temps partiel. Est-ce que tu peux faire les disciples comme ça? Non. Est-ce que Jésus voulait utiliser le temps de ton travail pour aller créer une cellule de prière? Amen. Amen. Le temps de ton travail pour aller évangéliser, faire des programmes. Là, à Dieu, est-ce qu'il pourra encore? Non. Non. Et ne pourra plus. La bête t'a prise. Tu as eu peur de la vie que Jésus vient de tuer. Tu n'as pas compris la commission de Jésus, l'appel de Jésus pour toi devait être de tuer la ville là. Quand la ville est déjà presque égorgée, alors tu pars avec Jésus pour l'égorger une fois. Amen. Pour la tuer une fois. Pas de secours. Là, à Dieu. Alors, le sang là, le mauvais sang doit sauter. Là, à Dieu. Amen. Sang, non, c'est la parole de Dieu. Pas sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est la parole de Dieu. Alors il s'ancre plus dans la vie de Dieu. Il dit que celle-ci doit mourir. Gloire à Dieu. Amen. Si c'est la volonté de mon maître que je meure de faim. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors je vais mourir de faim à mon poste. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il a une sentence de 10 jours pour la chair. Gloire à Dieu. Il sait qu'il y a une autre vie que Jésus a apportée. Gloire à Dieu. Dans ce monde, une vie qui peut jeûner 40 jours, 40 nuits sans mourir. Amen. C'est la vie de Dieu, c'est le sang de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est la conscience de Dieu, c'est la sueur de Dieu, c'est la bouche de Dieu, c'est l'appétit de Dieu. Amen. Amen. C'est la responsabilité de Jésus. Sa foi est aux aînés, sa foi est au top. Il dit que j'attends la souffrance. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'attends la faim, j'attends la nullité. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous vaincre tout d'esprit. Gloire à Dieu. Adieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne réglez pas mes émotions, gloire à Dieu. Amen. Vous ne réglez pas ma force. Si je faiblis parce qu'il n'y a pas la nourriture, ça veut dire que ma force venait de la nourriture. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si je faiblis parce qu'il n'y a pas de courant, ça veut dire que ma force venait de là. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis plus fort, c'est la victoire de mon maître. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Qui sort de la bouche de Dieu. Terriblement fort, les guerriers, on va les voir, les témoins, les enfants du sacerdoce royal. Amen. Amen. Les enfants du roi des rois, sacerdoce royal, veut dire enfants du roi des rois. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand les problèmes commencent, gloire à Dieu. Amen. Les vrais témoins, les faibles partent, ceux qui étaient des menteurs. Amen. Amen. Ceux qui ont échoué l'examen, gloire à Dieu. Amen. Ils sont là pour leur vie eux-mêmes. Et ils ont la ruse dans leur cœur. Ils n'ont pas compris l'appel de Dieu. Amen. C'était que notre vie est morte. Tu n'auras plus rien. Gloire à Dieu. Tu ne te nourriras plus par toi-même. Gloire à Dieu. Pour toi-même, tu ne vivras plus pour toi-même, pas toi-même. Tu vas vivre par Christ. Ceux qui vont passer l'examen à l'école de la croix. Amen. Amen. À l'école de Christ, terminé. Eux, ils n'ont rien à gagner. Les vrais témoins. Amen. Quand il n'y a plus de nourriture, tu dis qu'est-ce que ça a commencé. Amen. Amen. Les autres combats, c'était les petits-petits. Là, à Dieu, c'était pour les petits nyama-nyama. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les petits querelles, c'était pour les nyama-nyama. Amen. Les nyama-nyama, ça veut dire les petits-petits. Là, à Dieu, le jeu des enfants. Gloire à Dieu, le combat des poids légers. Gloire à Dieu. Amen. On attend le vrai combat. Gloire à Dieu. Amen. Les sacrificateurs de l'éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils vont te combattre pour la mort. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ne sortent pas leur ami de combat. Il y a encore. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que toi là, donne 1000 francs à l'autre pour qu'il mange. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Il dit que demande à l'autre. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne bouge même pas. Gloire à Dieu. Amen. Il y a Dieu là. Pas pour eux, c'est la parole de Dieu. Jusqu'au moment où maintenant ils commencent à voir la face de maman, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La face de maman, gloire à Dieu. Alors ils se lèvent de leur trône. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils viennent combattre, ils viennent juger, ils viennent vaincre, gloire à Dieu. Amen. Ils viennent ridiculiser le ministère de Satan, le ministère de la mort, le ministère de l'esprit de manque, le ministère de la conscience qui dit que je n'ai pas la présence de la vie là encore sur la terre, dans l'église, dans les lieux de notre témoignage. Amen. Ils attendent pour dire que tu fais quoi encore? Essaye. Son nom, c'est la parole
de Dieu. J'ai encore essayé pour dire aux gens qu'il y a un problème de nourriture pour vivre sur la terre. L'homme vit par le sang et par la chair de Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis témoin de cette vie. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, commence à enseigner. Il avance pour tuer l'autre vie. Gloire à Dieu. Amen. Il avance lui-même comme prémisse de la mort. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pas au lieu dangereux du combat. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que si c'est une sentence, c'est 10 jours. Gloire à Dieu. Amen. Je te montre que ta vie n'est bonne à rien. Ta faim n'est bonne à rien. Ta soif n'est bonne à rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la soif de l'eau vive qui me fait vivre. Amen. Amen. Et c'est la faim du pain vivant qui me fait vivre. Je ne vis pas par toi, je vis par la parole de Dieu. Je suis prêt à connaître une tribulation de 10 jours. Amen. Amen. Sans manger, sans boire de l'eau. Gloire à Dieu. Amen. D'aller voir le Seigneur Jésus, que des fêtes. Gloire à Dieu. Amen. Dans la victoire, dans le lieu spirituel, Sodome et Égypte. Son nom, c'est la parole de Dieu. La victoire dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit. Gloire à Dieu. Amen. Qui me soutient. Tu ne peux pas me faire le chantage. Je ne bouge pas de ma consécration. Amen. Amen. Je ne crains pas la mort. Je ne crains pas la faim. Je ne crains pas la nudité. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le maître m'a donné un travail. C'est maintenant que le travail a commencé. Je suis plus près de l'eau vive. Amen. Amen. J'ai creusé. Il me manque seulement un centimètre. Voilà Dieu. Amen. Pour que les fleuves d'eau vive jaillissent de mon sein. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que je n'ai plus jamais soif de ta faim. Amen. Amen. Que la conscience que j'ai faim tombe. Amen. Amen. La conscience de la soif du monde tombe. La grâce de souffrir. Voilà Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Donc maintenant, la force de mon maître est en train de monter. Le combat fait rage. Gloire à Dieu. Amen. Je vois comment il t'étrangle déjà. Tu commences déjà à faibler. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu viens jusqu'à ici pour me supplier d'aller travailler. Amen. D'aller chercher maman. Je ne vais pas te laisser vivre. Gloire à Dieu. Amen. Toi, démon de faim, tu vas mourir. Oui. Toi, homme qui a faim de la nourriture du monde, tu vas mourir. Toi, gloire à Dieu. Amen. Toi qui as soif des choses du monde et la conscience du monde, tu vas mourir. Ton destin, gloire à Dieu. Mon maître va te tuer et je vivrai par lui. Jésus a faim du monde. Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il devient fort, gloire à Dieu. Amen. Agressé, fort spirituellement, gloire à Dieu. Amen. Convaincu, mon maître m'a donné un travail, c'est d'implanter une autre vie à la place de celle-ci. Amen. Amen. La vie qui va implanter, la loi de la vie là, c'est que tu auras désormais faim et conscience de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et que tu auras soif de l'eau vive de la parole de Dieu. Voilà mon appel comme missionnaire. Gloire à Dieu. Amen. Voilà mon objectif, changer le désir, la soif et la faim. Amen. Amen. Qui est en toi. On parle du témoin au cœur du combat. Gloire à Dieu. Amen. Il connaît, tu ne peux pas le bouger. Hey, son nom. C'est la parole de Dieu. On parle de quelqu'un qui sait où il part. Gloire à Dieu. Amen. Il existe une autre vie qui est cachée dans les profondeurs de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Gloire à Dieu. Qui jaillit donc jusqu'à la vie éternelle. Pour mettre ma messe pour créer un puits d'eau vive. Son nom, c'est la parole de Dieu. Seulement ceux qui auront soif de cette eau vive. Gloire à Dieu. Amen. Qui viendront ici. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui auront faim de ce pain qui viendront ici. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc je suis un autre serviteur. Gloire à Dieu. Amen. Dans notre royaume. Gloire à Dieu. Amen. Pour une autre vie totalement différente de vous. Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Mon maître a le pouvoir de créer un autre homme nouveau. Amen. Amen. C'est l'homme nouveau là qui aura faim du pain que je possède. Amen. Amen. Et celui qui aura soif du sang que je possède. Gloire à Dieu. Amen. Être pasteur, c'est paître dans le sang. Gloire à Dieu. Amen. Et dans l'esprit de la parole. Être missionnaire, c'est être dans le sang et dans l'esprit de la parole de Dieu. Être prophète, c'est être dans le sang et dans l'esprit de la parole de Dieu. Il s'agit d'une autre race. Gloire à Dieu. Amen. De notre nation, de notre sacerdoce. Gloire à Dieu. Il faut bien comprendre. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont ceux qui ont soif du sang de Jésus et de l'eau vive. Amen. Amen. Et près de la chair de Jésus, qui ont faim de la chair de Jésus, qui vont venir. Voilà la maison de Jésus. Voilà l'église de Jésus. Voilà le peuple de Dieu. Amen. Amen. Travail terrible. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui aime sa vie n'est pas digne de moi. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui a faim de sa vie perd. C'est ça, non? Exact. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui
capable de faire vivre sa vie, la paix. Amen. Amen. Donc, là, c'est la parole de donc, Dieu. Donc je parle de Jésus pour tuer la faim là, pour tuer la soif là. Gloire à Dieu. Amen. Pour mourir, gloire à Dieu, comme exemple. Gloire à Dieu. Amen. Mon nom est en premier sur la liste. Gloire à Dieu. Amen. Crucifié avec Christ. Gloire à Dieu. Dieu. Dans la vie qui a faim, dans les désirs, tout ça a arrêté. Gloire à Dieu. Amen. Je fais un travail impossible à l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Mais possible à Dieu. Dieu. C'est ça le vrai travail. Je ne tourne ni à gauche, je ne tourne ni à droite. Beaucoup vont tomber. Gloire à Dieu. Amen. Mais je reste ferme. Il faut de l'eau vive. Gloire à Dieu. Amen. Il faut le pain vivant qui descend du ciel pour que l'homme nouveau vive. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas le pain du monde. Gloire à Dieu. Amen. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Non, c'est la parole de Dieu. Dieu. Moi-même témoin. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que la guerre de la mort a commencé? Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Est-ce que le voyage pour les 10 derniers jours de la croix, amen, amen, a commencé pour moi? Est-ce que Jésus a ouvert le sceau, gloire à Dieu, amen, de la gloire de Dieu qui va annuler notre vie, la dernière couche de la vie qui empêche, gloire à Dieu, que la vie de Dieu soit connue, amen, amen, la dernière couche de la terre, gloire à Dieu, amen, qui empêche que l'eau vive jaillisse en toi, amen, amen, ça doit tomber, gloire à Dieu, amen. C'est la parole de Dieu. Ils ont testé ferme parce qu'ils n'ont pas craint la mort, amen, amen. C'est la parole de si Dieu. Si tu ne manges pas, tu as peur de quoi? C'est la mort. C'est la parole de Dieu. Souffrez jusqu'à la mort. C'est la parole de Dieu. Il ne mange pas. Son maître lui a donné un travail. Il n'a pas encore fait le travail là. Amen. Amen. Il n'a pas encore réussi. Les fleuves d'eau vive doivent jaillir. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Les fleuves d'eau vive jaillir. Tu n'es plus conscient du manque là. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Jésus, je l'ai 40 jours et 40 nuits. Il n'eut pas faim. C'est après qu'il a eu faim. Amen. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. 400 ans en Égypte, ils ne sont pas morts. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont restés vivants. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On a traversé. Gloire à Dieu. Amen. L'homme nous voit traverser pour entrer à Canaan. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Et tu sais qu'allier ce combat. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu as bien fait le plan d'action, pasteur, prophète, missionnaire? Gloire à Dieu. Je vais détruire la lame qui a faim de la chair. Amen. Et l'âme qui a soif des choses de la terre, qui apporte les petits mémés et le manque de consécration, de détermination, de victoire, je vais l'annuler. Tu n'auras plus ça. Ceux qui viendront dans la maison de Dieu, amen, amen, chercheront le pain vivant, le vrai pain qui descend. Tu sais, c'est la parole de Dieu. Ils ne voudront rien d'autre que servirait-il un homme de gagner toute la terre, perdait son âme. Terminé, gloire à Dieu. Amen. Il faut bien comprendre la commission, le principe de la commission de Jésus sur la terre. Beaucoup il va leur dire que je ne t'ai jamais connu. Tu as parlé de la peur de manger aux gens. Gloire à Dieu. Amen. Toi-même tu as peur de la faim. Amen. Amen. Tu as peur de la soif. Tu as peur de la nullité. Gloire à Dieu. Amen. Qui t'a appris que tu as faim? Qui t'a appris que tu as soif? Qui t'a appris que tu es nu? Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Adam n'avait ni faim de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'avait ni soif. Gloire à Dieu. Il n'avait pas de nudité à couvrir. Gloire à Dieu. Amen. Dans la conscience de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Une vie que Jésus est envoyé à planter au Cameroun. Gloire à Dieu. Amen. Un feu, une nouveauté. Gloire à Dieu. Amen. Une innovation du jamais vu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pas le petit truc. Gloire à Dieu. Amen. Lui-même au front, en ligne de combat. Amen. Amen. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Son peuple dans la chair, j'attends de la mort chaque seconde. Gloire à Dieu. Amen. Donc ne te crains pas, on te bat en public. On te bat dans ton quartier général. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde a peur de toi. Mais on te bat tout de suite en te tuant, en nous-mêmes. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Terminé, tribulation de tes jours. Gloire à Dieu. Amen. Et je te donne la couronne. C'est la parole de Dieu. Allez, les témoins, tu es préparé pour cette heure. Jésus à la croix dit que c'est pour cette heure que je suis venu. C'est la parole de Dieu. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de c'est pour cette heure que je suis venu. Celui qui a vaincu que la souffrance de la chair a fini avec le péché. Alors il va faire des disciples, il va te dire que moi-même j'ai vaincu la souffrance là. Amen. Amen. Et que Jésus est fidèle. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va vivre par sa volonté, pas par la nourriture. Amen. Amen. Pas par les vêtements. Gloire à Dieu. Amen. Mais tu vivras véritablement par lui, pour lui et en lui. Son nom, c'est la
la parole de Dieu. Bien, Fox, gloire à Dieu. Amen. Pendant ce qu'on recherche, il faut bien écouter les messages. Gloire à Dieu. Amen. Après, tu vas croire qu'on était les mêmes pasteurs. Amen. Amen. Qu'on était les mêmes enseignements. Gloire à Dieu. Amen. Nous, on connaît où on part. On connaît ce qu'on veut. Gloire à Dieu. Amen. On connaît bien ce qu'on recherche. C'est la parole de Dieu. La vie éternelle qui ne peut plus mourir. Gloire à Dieu. Amen. On va voir comment la fin de ce monde et la nudité de ce monde et la soif des choses de ce monde va tuer la vie de Jésus. Amen. Amen. C'est ton combat. Gloire à Dieu. Amen. La paix des fleuves d'eau vive ne peut plus s'éteindre. Amen. Amen. Ne peut plus s'éteindre. C'est une vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Alors la commission de Jésus, c'est que tu retrouves la vie là. Amen. Le prix de la vie là. Amen. Amen. Après que tu ne crains plus la mort. Gloire à Dieu. Amen. Et que tu as distribué une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Amen. Une liberté. Gloire à Dieu. Amen. Tu m'amènes à aller chercher un travail dans le monde. C'est rentrer comme j'étais avant. Amen. Amen. Comme j'étais avant, c'était ce que je faisais. Je m'avais fait une formation pour gagner ma vie dans le monde. Et puis le petit temps qui me reste. C'est ça, non? C'est ça. Je donne à Dieu. C'était ça la consécration. Non. On t'avait dit que dans le missionnariat, tu vas souffrir. Gloire à Dieu. Amen. Quand la souffrance vient, il commence à fouer. Maman les prend. Amen. Amen. Dans la vie qui a peur du mal, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Jésus a vaincu le mal là. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il apporte toutes sortes de famines. Gloire à Dieu. Amen. Toutes sortes de nullité. Je meurs le jour où Dieu veut. Amen. Amen. Je meurs comme il veut. Gloire à Dieu. Amen. Pour ce qui concerne la nourriture, le vêtement, on me supplie pour prendre. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as le doute, ne donne plus. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout le monde est fou quand je reste. C'est la parole de Dieu. Le vrai témoin. Gloire à Dieu. Amen. Mon maître m'avait donné un travail. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il y a une vie que le monde ne connaît pas. C'est cette vie qui veut te montrer sur cette terre. Gloire à Dieu. Amen. Il a dit que je suis la vie. Amen. Amen. La résurrection et la vie. La vie vivante. Gloire à Dieu. Amen. Que le monde ne voit pas. Voilà la commission. Mon maître s'appelle la vie. Un Jésus qui n'est pas la vie est un faux Jésus. Son nom. C'est la parole de Dieu. Celui qui me mange va vivre. Pas moi. Son nom. C'est la parole de Dieu. La commission du travail de Jésus pour faire la disciple vivante. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. On n'est pas caché. D'abord les yeux du cœur qui savent où tu pars. Amen. Amen. Et qui savent voir ce que Dieu veut pour conduire un aveugle. Ne peut pas conduire un autre aveugle. L'enseignement qu'on t'a donné, c'était pour cette heure-ci. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Les ennemis sont tombés. Gloire à Dieu. Amen. À cause de la nourriture. Son nom. C'est la parole de Dieu. Beaucoup ont abandonné. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as pris au dessein? Qu'est-ce que tu as pris au jeu? Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu n'as pas appris que l'homme ne vit pas seulement. Mais de toute parole. Qui sort de la bouche de pourquoi Dieu? Pourquoi tu ne réponds pas ça maintenant? Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu disais que tu es missionnaire. C'était à toi d'amener les autres personnes. Gloire à Dieu. Amen. À se consacrer à Dieu. Maintenant, c'est eux qui t'amènent à te consacrer à eux. Amen. Amen. Tu es pasteur? Non. Tu es leader? Non. Tu es évangéliste? Non. Tu es missionnaire? Non. Tu es apôtre? Non. Tu es intercesseur? Non. Tu es chrétien? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Toutes ces choses qui étaient pour moi, comme je les considère comme de la boue. Il y en a qui mettent leur confiance à Dieu parce qu'ils font le bien dans l'arbre. De la connaissance du bien et du mal. Ça donne la vie éternelle à quelqu'un? Jamais. C'est la beau, gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. L'autorité qu'ils ont sur toi est brisée. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ton pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Avec l'ultime responsabilité des disciples. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Il n'a confiance en rien. Voilà. À Dieu. Seulement à ma personne. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. Ça change. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Sans frappe. Essayez dans la conscience. Il laisse le travail là. C'était le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Le problème, c'est que vous ne faites pas comme Jésus a dit dès le départ. Amen. Amen. Au départ, il fallait que tu cherches les gens qui veulent la vie éternelle. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu es parti chercher les gens qui veulent la motivation de l'homme. Amen. Amen. Qui calculent pour se faire vivre leur gain derrière toi. Amen. Amen. Jésus, lui, n'a pas fait comme ça. Là, amen. Il a dit la vérité que vous me suivez parce que vous avez mangé le peu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Vous me suivez parce que vous avez un endroit pour dormir dans le camp. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Vous me suivez parce qu'on paie l'électricité du camp. Son nom.
c'est la parole de Dieu. Je te vais parce qu'il y a la nourriture au cœur. Non, c'est la parole de Dieu. Tu vas leur dire la vérité. La de Dieu. C'est la parole de Dieu. S'il n'y a plus ça, maman te recrute encore comme c'était avant. Amen. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Je te vais parce que l'église fait les mariages. Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. S'il n'y a plus qu'on fait les mariages, tu peux trouver maman tranquille. Non, c'est la parole de Dieu. Gagner ta paix derrière Jésus. Jésus m'a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et à cause de quel, on te dit que tu n'étais pas chrétien. Gloire à Dieu. Tu n'étais ni pasteur ni prophète. Ton sang, telle banque folklorique. Amen. De vouloir dire que je suis chrétien, aller mentir aux païens. Amen. Amen. Et si on connaît ce que Jésus est venu planter, un homme nouveau. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il n'a pas connu vos choses du monde. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre pourquoi il parle. Gloire à Dieu. Amen. Il te prépare l'action à l'attaque de l'ennemi. Gloire à Dieu. Amen. Et te donne la victoire. Qu'est-ce qui va te déraciner? Amen. Amen. Un autre là, il a le désir du sexe. Amen. Amen. L'autre le suivre parce que le sexe est assuré. Gloire à Dieu. Amen. Tu le ex-père, il n'est plus consacré au camp. Amen. Amen. Il n'est plus consacré à l'éternel. Jésus va aller chasser 5000 personnes. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les 12 vont rester. Il va dire qu'un de vous est un démon. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vous, il ne voulait pas vous en aller. Non, nous on cherche dans la parole quelque chose. Amen. Amen. La vie est Amen. Une autre vie. Gloire à Dieu. Amen. Qui doit germer dans le monde ici et lutter avec l'autre vie. Gloire à Dieu. Amen. Et avoir raison. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Témoin de la résurrection. Témoin de l'ascension. De la manifestation. Gloire à Dieu. Amen. En évidence. Gloire à Dieu. Amen. D'une vie que l'autre conscience ne connaît pas. Gloire à Dieu. Amen. La vie de Dieu sur la terre. Gardée pour Dieu. Gardée par Dieu. Et non pas l'argent. Et non pas la nourriture. Et non pas l'aide du sang. Gloire à Dieu. Amen. Ou l'aide de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. L'homme ne m'a pas consacré. C'est Jésus qui m'a consacré. Donc le travail de l'esprit depuis que tu es là, c'est que tu ne comptes plus sur l'homme. Amen. Amen. Même pas sur une institution. Gloire à Dieu. Amen. Mais que tu comptes sur Jésus-Christ pour qui tu dois mourir. Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Témoin, mourir pour Jésus. Gloire à Dieu. Il est mort pour moi pour que je meure. Pour lui. Non, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Gloire à Dieu. Amen. Alors le renoncement, la souffrance. Gloire à Dieu. Amen. Va me permettre de dépendre de Dieu. La vraie parce que si je meurs, je meurs pour Christ. Amen. Amen. Si je vais, je vais. Pour Christ. C'est la parole de Dieu. Alors j'espère que tu as compris. Gloire à Dieu. Amen. Alors l'objectif, les yeux, gloire à Dieu. Je prie que le Dieu de paix illumine les yeux de vos cœurs. Afin que vous voyez briller la splendeur de la gloire qui s'attache à son appel. L'appel de quoi? Amen. Amen. Pour faire quel travail? Comment je vais estimer la réussite? Gloire à Dieu. Amen. De Jésus dans ce travail. Il y a une autre vie. Gloire à Dieu. Amen. Qui est la loi du péché et la loi de la mort. Alors tous ceux qui sont dans la ville appartiennent à Satan. Amen. Amen. Au prétendu de la mort. Ils sont en train de dire que ça ne manque pas de corps parce que vous ne buvez pas le sang qui est la vie de Jésus. Amen. Amen. Et vous ne vivez pas par lui, vous n'avez pas la vie à vous-même. Vous sondez les Écritures parce que vous espérez trouver en elles la vie. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis la vie. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne crois pas que je suis la vie, tu crois en faux Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Pour la vie de Jésus, pour vaincre la vie de la faim. Amen. Pour vaincre la vie de la soif. Pour vaincre la vie de la nudité. Amen. Amen. Où est la vie là? Gloire à Dieu. D'où lui vient sa victoire? Ça vient de la vie du sang. Amen. Amen. De Jésus, son sang a coulé. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, témoin vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Tu me trouveras à mon poste. La faim ne me bouge pas. Gloire à Dieu. Amen. La soif ne me bouge pas. Les oiseaux du ciel. On dénie. Mais le fils de l'homme n'a pas. Pour poser sa tête. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Une autre vie. Gloire à Dieu. Amen. Du ciel sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui me mange. Vivra par moi. Voilà la commission. Gloire à Dieu. Amen. Que le monde doit voir. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as réussi ça? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es même à côté? Gloire à Dieu.
Amen. Je veux que tu comprennes. Est-ce que les églises du Cameroun là sont à côté? Non. Est-ce que les grands leaders que tu dis là sont même à côté? Non. N'est pas moins de l'œil t'enlève du sacerdoce. C'est ça. Moins de l'œil t'enlève de la crucifixion. Que va travailler maman. Amen. Amen. Donc, va chercher l'argent. Gloire à Dieu. Amen. Pour venir me donner. Gloire à Dieu. Amen. Donc Jésus, s'il ne peut pas s'occuper de moi, quand tu le sais, tu souffres. Gloire à Dieu. Amen. Ton ministère ne parle nulle part. Tu n'es pas encore mort. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas encore trouvé le secret de la vie, du sang. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne dois pas combattre, battant, comme pas comme battant l'air. Amen. Amen. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Pour trouver la vie nouvelle. Gloire à Dieu. Amen. Toutes ces épreuves que tu as reçues, c'était pour trouver une autre vie. Amen. Amen. Maintenant, tu recules devant la souffrance. Tu souffrais jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Amen. De l'autre vie qui pleure. Je veux, il me faut, tu dois te meurs. Et puis maintenant, quand tu es mort, alors Jésus, tu veux m'envoyer. Amen. Tu m'envoies là avec quelle vie? Amen. Amen. Alors je t'envoie avec une vie nouvelle. Son nom. C'est la parole de Dieu. Va maintenant faire les missionnaires. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu es témoin de ma force. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors tu vas former les gens qui vont traverser l'adversité. Amen. Amen. Il n'y a pas la faim, il y a la soif, ils traversent. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont vainqueurs. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas appeler les déserteurs. Gloire à Dieu. Amen. Moins de souffrance, il y a dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ici. Oh, quand je regarde les leaders là, je secoue ma tête. Quand je regarde l'église primitive, je secoue ma tête. Je dis que l'église primitive était très loin. Gloire à Dieu. Amen. De ce que je les ai appelés à faire. Hey, alléluia. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il était question d'un autre homme, d'une autre vie. Gloire à Dieu. Pratiquement sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Content de n'avoir pas mangé, qui est content de n'avoir pas bu, qui est content d'avoir raté le voyage du monde. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Qui est content d'avoir perdu sa vie, ses désirs, ses passions, qui est content d'avoir perdu sa personne, sa gloire, sa renommée. Amen. Amen. Son respect. Gloire à Dieu. Amen. Et le fils qui est content d'avoir perdu sa femme, ses enfants. Gloire à Dieu. Amen. Sa famille, perdu son identité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et qui est content de perdre. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Son nom, c'est la parole de Dieu. Avec la vie qu'il a retrouvée. Amen. Amen. Dans sa joie, il vante ce qu'il possède. Une autre vie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et qui ne dit pas qu'on m'a fait, on m'a pris. Si quelqu'un prend ton manteau, ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Avec joie, n'est-ce pas? C'est ça. Tu vas faire ça avec quelle vie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans la frappe, ce qu'il est venu implanter, un Jésus vivant. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le témoin, voilà le travail de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Au Cameroun. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce qu'il recherche. Donc, si tu te retrouves un jour dans l'église avec quelqu'un qui dit qu'on m'a manqué de respect, on a péché sur moi, est-ce qu'il est même à côté? Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu peux signer l'alliance avec lui? Non. C'est la mort éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ennemi juré de la croix de Christ. Les gens qui pêchent en secret. Gloire à Dieu. Amen. Et qui viennent de haut te montrer qu'ils ont aussi l'objectif de Jésus dans leur cœur. Ils parlent comme des dragons. Tu peux signer l'alliance là-bas? Non. C'est un frère? Non. C'est une sœur? Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est un pasteur, ça? Non. Il peut partir où tu pars? Non. Il a les codes pour partir loin? Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a le souffle de Dieu? Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il souffle en chemin. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Laissez du souffle du conducteur. Amen. Amen. Né de nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Vous partez avec lui à la mort. Gloire à Dieu. Amen. Apprêtez-vous. Christ a souffert de la même manière. Et il a fini avec le péché. Armez-vous aussi. C'est la même pensée. Quand la fin vient, pourquoi tu ne t'armes pas de la pensée de mourir. Gloire à Dieu. Amen. Si tu es parti prendre le sexe, tu aurais une responsabilité. Amen. Alors que Dieu t'avait bien dit que le sexe, si, il faut attendre ce qui vient de moi. C'est la parole de Dieu. À cause du désobéissance, que ta désobéissance, que tu es parti faire avec ton désir sexuel, tu as maintenant un enfant, une femme, n'est-ce pas? C'est ça. Il faut la nourrir. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas leur dire qu'il faut la nourrir avec le pain vivant. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas laisser le pain vivant pour aller travailler pour la nourriture qui périt. C'est la parole de Dieu. Je ne peux pas leur dire que vous êtes des missionnaires jusqu'à votre mort. Amen. Amen. De t'attendre en France. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas supporter avec joie que Jésus les appelle parce que tu es consacré. Appeler veut dire que tu es parti travailler pour Dieu et ils sont morts de la faim. Gloire à Dieu. Amen. À cause de Jésus, son nom. C'est la parole de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Mes enfants ne sont pas allés à l'école à cause de Jésus. Tu peux faire la
là, son nom. C'est la parole de Dieu. J'ai très loin, je prêchais. C'est des prédications, ça? Non. Ne m'apportez jamais des messages mensongers. Amen. Amen. Quand les messages de mensonges ne mentent pas, ne volent pas, ils sont ancrés en eux-mêmes. Là, là, amen. Tu connais ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. C'est notre vie qui n'a aucun désir du monde. Amen. Et qui ne peut pas prier pour les choses du monde. C'est la parole de Dieu. Vous demandez mal dans le bien de satisfaire vos passions. Adultère, que vous êtes. Tu pries encore pour les choses du monde. Jésus t'a envoyé. Un homme qui a encore la vie, qui a soif des choses du monde. Tu dis que c'est Jésus qui t'a envoyé. Que Dieu nous aide. C'est la parole de Dieu. Terminé, ils ne voient pas, ils sont aveugles. Gloire à Dieu. Amen. Jésus veut nous donner ses yeux aujourd'hui, la prise de conscience. Gloire à Dieu. Amen. Il était question d'une autre vie, d'un autre homme. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu as raté ça, il n'y a pas d'église. Ne mens pas, tu ne me verras pas. Chasser les démons en vain. Amen. Amen. Prophétiser en ton nom. En vain. Gloire à Dieu. Fais les miracles en vain. C'est la parole de Dieu. Allons-y. C'est mon temps là-bas, regarde mon temps. Regarde, 42, je n'ai rien fait. Regarde à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors il est important que tu comprennes. Regarde à Dieu. Comprendre comme Jésus. Comprendre. C'est la parole de Dieu. Voir comme Jésus. Voir. Prier comme Jésus. Prie. C'est la parole de Dieu. Terminé. Regarde à Dieu. Vouloir comme Jésus. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Avoir soif de ce que Jésus a soif. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Demandez rapidement. Si attaquer la lettre son nom, c'est la parole de Dieu. Vous au contraire, vous êtes une grâce élue. Alors on s'arrête d'abord un peu la race élue, les élus. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Race élue, vous au contraire, donc ce n'est pas comme les autres. Amen. Et la race élue, s'il était possible, même les élus de Dieu, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a fait les miracles, s'il était possible, même les élus, ceux qui ont faim de miracles là. Amen. Ceux qui ont soif de miracles là, parce qu'ils ont la vie de miracles là. Amen. Ils disent merci, il ne faut pas dire. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est en train de te crucifier, Pilate dit que je vais te libérer, il dit à Pilate merci. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un vrai témoin va dire que laisse-moi ici. Gloire à Dieu. Je suis bien ici, dans la crucifixion comme dans la résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans l'abondance de la résurrection, je sais vivre. Amen. Amen. Et puis dans le manque, pour la croix, la crucifixion, je suis encore content. Amen. Amen. Je sais vivre dans l'abondance comme dans le manque. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans le témoignage de Jésus, qu'on explique, gloire à Dieu. Comme le pasteur l'a expliqué, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'homme nouveau n'a pas faim des choses du monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est anesthésié par la crucifixion, gloire à Dieu. Il ne manque rien. Toutes ces choses qui étaient pour moi, comme des gains, je les considère comme de la boue afin de gagner. Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Christ est ma vie, la mort. Je ne crains pas la faim qui donne la mort. Amen. Amen. C'est un cœur pour moi. Je ne crains pas la soif. Ne dors pas là-bas. Hein. Gloire à Dieu. Ne dors pas là-bas. Gloire à Dieu. Ne dors pas là-bas. Gloire à Dieu. Ça sort dans le message. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu t'es caché derrière l'autre depuis le culte. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu dors. Je veux parler là-bas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Après, ça va être compris sur les gens. Comment la révélation va avancer. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. On peut finir le message sur toi maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors comprends carrément que ce sont les élus. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas peur de la soif qui va donner la mort. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vaincre la mort. Gloire à Dieu. Mais toi, tu as peur, n'est-ce pas? De la mort, de la souffrance qui donne la mort, de la faim qui donne la mort. Tu veux déjà sauver ta vie. Gloire à Dieu. Pour aller faire les choses que tu aurais fait dans le monde. Le monde devient ton directeur. Le monde devient conseiller de l'église. Gloire à Dieu. Comment tu peux faire pour gagner un travail que Christ veut? Reste effrayé. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un travail que Dieu m'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le maître Jésus n'a pas de salaire. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas la vie éternelle. Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et la vie éternelle est devenue fausse. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les faux frères. Gloire à Dieu. Les faux témoins. Gloire à Dieu. Amen. Les faux pasteurs qui n'ont jamais été utilisés par la conscience de Jésus. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'ai un travail avec mon maître. Mon temps est fini. Son nom, c'est la parole de Dieu. Allons voir si vous, au contraire, vous êtes une race élue. À part un sacerdoce royal. Je vais m'arrêter ici, mais je m'avais d'abord sur une nation comment? Sainte. Sainte, ça veut dire que c'est le nom de joie qui t'a appelé. Le Saint des Saints. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Si tu ne bois pas le sang
temps-là, tu n'es pas saint. Amen. Amen. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas saint. Tu n'es pas une nouvelle créature, tu n'es pas saint. Tu n'es pas une nouvelle créature, tu n'es pas une race royale. Amen. Amen. Un sacerdoce. Ah, si. Alors, ici, un sacerdoce comment? Royal. C'est la parole de Dieu. On va s'arrêter sur le point C. Gloire à Dieu. Un peuple acquis par le sang. Gloire à Dieu. Amen. Prenons l'exemple du sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est bien du beau sacrifié car exerce un ministère, le sacerdoce royal. Et ça se fait comprendre par la fonction du témoin. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Qui est un sacrificateur. Gloire à Dieu. Amen. Selon l'ordre de Melchisédek. En Melchisédek. Gloire à Dieu. Il fait l'expiation des péchés. Son nom, c'est la parole de Dieu. Sa parole appelle les gens. Gloire à Dieu. Amen. Son témoignage. Gloire à Dieu. Amen. À la vie éternelle. Amen. À la vie de sainteté. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il dit que tu es un sacerdoce royal. Alors, la royauté est royale. Ça vient du nom du roi des rois. Amen. Amen. Donc, comme il est le roi, toi aussi tu es roi. Gloire à Dieu. Mm. Comme il est sacrificateur, toi aussi tu es sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Qui est venu avec le sang. Gloire à Dieu. Amen. Et le sang de la paix. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tu dois voir comme il voit. Il est là pour quoi? Gloire à Dieu. Amen. Il est là pour un autre. Il fait les sacrifices pour quoi? Amen. Mm. Pourquoi on tue le bœuf? Amen. Mm. Pourquoi on tue l'agneau? Gloire à Dieu. Mm. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pourquoi manger sa chair? Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi son sang est aspergé? Gloire à Dieu. Il est question du nouvel sang. Amen. Amen. Il est question de la parole qui n'a pas de levain. La chair de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Il vise à mettre sur pied une autre vie. Amen. Amen. Celui qui boit ce sang ne mourra jamais. Celui qui mange ma chair ne mourra jamais. Sacrificateur, témoin. Gloire à Dieu. Amen. Son donc, c'est la parole de Dieu. Royal, gloire à Dieu. Amen. Un sacrifice. Un quoi? Un sacerdoce royal. C'est-à-dire que l'acte du témoignage du sacrificateur. Amen. Amen. Son donc, c'est la parole de Dieu. Qui règne, gloire à Dieu. Amen. Sur la vie du monde. Il est implanté par Dieu. Amen. Amen. Il ne quitte pas sa position. Gloire à Dieu. Amen. Son donc, c'est la parole de Dieu. Il dit que je ne connais pas mon père. Je ne connais pas ma mère. Il est sacrificateur à commande. À perpétuité. Donc tu es avec Jésus dans la sacrificature à perpétuité. À jamais. Gloire à Dieu. Amen. Rien ne te déplace. Son nom, c'est la parole de Dieu. De son appel. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu t'avais planté. Tu es prêt à mourir. Gloire à Dieu. Amen. Et dit que je vais voir comment Jésus ne peut pas me nourrir. Amen. Amen. Et qu'il ne peut pas me garder en vie dans le travail que le Père lui a donné. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. À perpétuité, la race royale. Gloire à Dieu. Amen. Vainqueur de la peur. Amen. Amen. Vainqueur des tumultes, de la tempête. Gloire à Dieu. Amen. Il est resté inébranlable. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est fils du roi des rois. Régnant à partir de la victoire. Et on ne peut pas l'ébranler. Phlegmatique. Gloire à Dieu. Mm. Son nom, c'est la parole de Dieu. Planté par Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne peut le déraciner. Pendant les jours de sa sacrificature, pendant les jours de son sacerdoce, pendant les jours de son témoignage, pendant le temps qui lui reste à vivre sur la terre, son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, gloire à Dieu. Amen. Alors, et on voit que tu dois avoir les yeux de Jésus, le cœur de Jésus. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, important de comprendre ici, ces sacrificateurs avaient quelque chose de particulier. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais t'amener là-bas, mais c'est l'introduction du deuxième message. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas ça, il n'y a rien. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et si on est parti avec toi, gloire à Dieu, dans mon ami Proverbe. Amen. Sacrificateur, on a parlé de la royauté. Sacrificateur, sacerdoce comment? Royal. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un sacerdoce royal de la royauté du roi, des rois qui règne. Amen. Amen. Il se bat à genoux devant Père. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ils ont quelque chose pour être fort. Gloire à Dieu. Qui porte sur le cœur, gloire à Dieu. Très important. Pourquoi il porte ça sur le cœur, gloire à Dieu. C'est l'introduction du deuxième message. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ont le cœur de Jésus, gloire à Dieu. Amen. Ils sont attachés au ciel même depuis l'ancienne alliance. Ils ne doivent pas faire l'erreur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y avait quelque chose qu'on appelait les fraudes. Et sous lequel se trouvait le tumin, gloire à Dieu. Et l'urim, gloire à Dieu. Et ils portaient ça au cœur.
gloire à Dieu. Il parlait avec Dieu du coup au ciel, gloire à Dieu. Il consultait Dieu au ciel. Le roi David va marcher avec le sacrificateur Abiathar. Amen. Donc on voit le sacerdoce du sacrificateur et la royauté du roi ensemble, gloire à Dieu. Amen. David est roi, il prie à le sacrificateur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors Jésus est le roi des rois et il est le souverain sacrificateur. On te parle du sacerdoce royal, c'est un autre titre. On ne touche pas la femme pour connaître le message. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un autre sang, gloire à Dieu. Amen. On n'a pas de mère et de père, gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est les Lévites, gloire à Dieu. Amen. Qui ont reçu le ministère de l'Urim et du Thummim dans le livre de Deutéronome 33. Amen. Amen. Ont été confiés à eux, gloire à Dieu. Amen. Ils parlent de Dieu avec Dieu directement. On va arriver là-bas, gloire à Dieu. Amen. Ils portaient l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim, l'Urim avait deux parties. Amen. Dans lequel on avait écrit par les signes qui devaient montrer. Amen. Le oui et le non. Amen. Il y avait le Thummim où il y avait deux parties, le oui ou le non. Gloire à Dieu. Alors il fallait consulter Dieu. Amen. Pour aller faire n'importe quoi. Gloire à Dieu. Le roi, la royauté. Royauté du sacerdoce. Amen. Amen. Devait se soumettre au roi. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il fallait consulter le roi des rois pour être vainqueur au combat. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, tu n'as pas son fils parce que lui, il est le roi des rois. Alors ses frères sont rois. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu cesses d'être roi dans la victoire de la sainteté et de la nation sainte, tu n'es plus roi. Amen. Amen. Tu n'es plus sous la victoire, sous le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne travailles plus sur son objectif, gloire à Dieu. Amen. C'est la sanctification qui assure sa royauté par son sang. Sacerdoce marche avec le sang. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre leur fonction. On lit l'ancienne alliance, mais on voit seulement que Dieu était contre les Amalécites, Dieu était contre les Édomites, Dieu était contre les Jébusiens, Dieu était contre les Guigasiens, Dieu était contre les Philistins. Amen. On ne voit pas les Moabites, d'Égypte. On voit qu'il était contre eux. Il était pour eux. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et il devait seulement savoir que c'est lui qui a la royauté. Amen. Amen. Il recevait le témoignage et il devait vivre éternellement. En se soumettant, gloire à Dieu. Amen. À David. Amen. Amen. Mais s'il y a plus grand que David, son nom, c'est la parole de Dieu. Aucune nation qui se soumettait en Israël était détruite. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Israël devait avoir les yeux du sacrificateur. Gloire à Dieu. Amen. Pour savoir que je suis en train de partir. Amen. C'est pour sauver, il faut bien comprendre. Gloire à Dieu. Amen. On va revenir sur ce mystère. Mon temps est fini. Son nom, c'est la parole de 53 Dieu. 53 minutes, on avance encore pour 3 minutes. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Sacerdoce, gloire à Dieu. Amen. Appartient au sacrificateur. Et puis royal, appartient au roi. Amen. Amen. Les deux marchent ensemble. Son nom, c'est la parole de Dieu. Roi des rois, gloire à Dieu. Amen. Et souverain sacrificateur. Selon l'autre, le Melchisédek. Il y a d'autres sacrificateurs, mais lui, il est souverain. Sacrificateur, son nom, c'est la parole de Dieu. Un sacerdoce royal donné à tous les chrétiens, gloire à Dieu. Amen. Qui doit avoir un cœur nouveau. J'enlèverai de votre cœur le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau et je ferai en sorte que vous obéissez à mes commandements. Comment je vais obéir, gloire à Dieu. Amen. Si je ne connais pas ta volonté, son nom, c'est la parole de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il y avait le rhum et le thumain, gloire à Dieu. Amen. On va revenir là-bas parce que David n'est pas pangé sans consulter l'Urim et le Thummim. Amen. Amen. Au parti faire la volonté de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il porte ça au cœur, dont le cœur est très important. Garde ton cœur plus qu'à toute autre chose. Garde ton cœur, vient les sources de la vie. Les fleuves d'eau douloureux en son sein. Le travail de Jésus doit produire le cœur pur. Et les cœurs purs quand ils verront la victoire de Jésus. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand ils comprendront le mystère de Dieu avec les oreilles de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. En entendant du cœur et en parlant de la bouche, qu'on peut ouvrir à la repentance, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc il faut bien comprendre ici ce mystère. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, le rhum et le thummim, gloire à Dieu. Amen. Alors, le sacrificateur interrogeait l'Éternel, gloire à Dieu. Amen. À partir du cœur que Dieu connaît, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il lançait l'Urim et le Thummim. Amen. C'est l'Urim disait oui, le côté de l'Urim qui dit oui. Amen. Et le côté du Thummim qui dit oui. Amen. Sont ensemble, ça veut dire que Dieu dit oui. Amen.
Ah, toi, tu es en train de faire, on n'est plus dans la lettre là. Amen. So, non. C'est la parole de Dieu. On va voir comment il a transporté ça. Hey, là, là. Amen. Parce qu'il y a encore les églises qui font les tirages au sort. Amen. Amen. So, non. C'est la parole de Dieu. C'est lui-même maintenant en toi. Là, là, Dieu. Amen. Il n'est plus au ciel. Il est dans le ciel de ton cœur. C'est lui qui parle au travers de toi. Amen. Amen. Ton oui soit oui. Et ton non soit non. Le oui prononcé par lui est véritable. L'amen prononcé par lui est véritable. Que de spirit. Gloire à Dieu. Amen. Sacerdoce qui n'est pas comment? Transmissible. Son nom. C'est la parole de Dieu. Pas d'intermédiaire. Gloire à Dieu. C'est le haut niveau. Gloire à Dieu. Amen. On ne le copie pas. Ce n'est pas les prêtres aujourd'hui qui portent encore les choses avec les cloches. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. On t'appelle. Toi qu'on appelait. Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut faire, le travail de Dieu, la question qu'on pose, gloire à Dieu. Amen. Il est la vie de l'arrêt. Pompe. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le pont pour la gloire de Dieu. Pour que l'objectif de sa volonté s'accomplisse sur la terre. Est-ce que tu connais d'abord l'objectif là? Tu connais d'abord l'objectif là? C'est une autre vie. Amen. Amen. C'est un autre homme, c'est un autre monde, c'est une autre maison, c'est une autre famille, c'est un autre désir, c'est un autre mariage. Son nom. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends bien, hey, que Dieu t'aide. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Aveugle voyant, si le sacrificateur est aveugle, si le pasteur est aveugle, est-ce qu'il faut qu'on crée notre aveugle? Non. Tu es le docteur de la loi d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Son nom. C'est la parole de Dieu. Bien comprendre mon temps est fini. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, c'est maintenant l'urine. Gloire à Dieu. Amen. Et le timing, sorte non. Ça veut dire que Dieu dit non. Son nom. C'est la parole de Dieu. À partir d'un cœur pur. Gloire à Dieu. Amen. Alors Dieu va répondre. Gloire à Dieu. Quand le cœur est mauvais, Dieu ne répond pas. On va voir l'exemple de Saül. Gloire à Dieu. Qui va consulter l'Éternel. Et Dieu ne va pas lui répondre. Comment Dieu ne répond pas? Il va bêter avec la loi de la force. Que moi je suis roi. Amen. C'est ça, là. C'est ça. Tu t'amuses, sacrificateur, je te tue. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il a tué 85 prêtres. Gloire à Dieu. Qui portaient les fraudes. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et c'est la malédiction. L'édiction. Pour mépriser le pasteur qui portait les fraudes. Gloire à Dieu. Amen. Qui portait l'urine et le tumeur. Qui va te dire que dans le problème, si tu renonces à toi-même et à tout ce que tu possèdes et à ta propre vie. Son nom. C'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu dis qu'on m'a fait, Dieu ne te répondra jamais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand il faut, il lance les fraudes. Il lance l'urime et le timin. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'urime dit oui et puis le timin dit non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas répondu. Tu es dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Éminé, gloire à Dieu. Tu es dans le oui, que l'autre a raison, moi j'ai tort. Amen. Amen. Non pour l'autre, oui pour toi. La guerre entre les gens de poste, gloire à Dieu. Amen. Je ne suis pas des dents. David ne combat pas pour l'homme, gloire à Dieu. Amen. Il ne déteste pas son proche. On va devenir là-bas, gloire à Dieu. Amen. Contre un profondeur, son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Lève-toi pour parler à Dieu, le temps de la prière, le temps de la consécration, le temps de ceux qui ont des rêves et le chemin de la parole de Dieu, mon frère et ma soeur, le cœur et pour Dieu et connaissent les jugements de Dieu, mon frère, par la terre, il était question de notre vie implantée sur la terre. La vie, la raison, ce n'est pas ta vie, Saül, ce n'est pas la vie des prophètes là-bas, ce n'est pas le sacerdoce là, mon frère d'un homme, c'est le sacerdoce royal, Jésus-Christ, par sa vie, mon frère et ma soeur, c'est pas son sang, une nouvelle vie, un nouvel esprit, c'est la terre. Mon frère qui ne craint pas les souffrances. Hey, est-ce que tu as consulté l'Éternel? Par la Dieu, mon frère et ma soeur. Hey, il y a beaucoup d'autorités. Son sang a coulé. Hey, a coulé. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Sortez le combat. Pèlerin. Sortez le combat. Dans les lieux très élevés. Oh, alléluia. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. La Sainte Église plantée sur la terre. Oh, le peuple acquis planté sur la terre. La nation sainte plantée sur la terre. Le sacerdoce du roi des rois qui n'est pas transmissible. Hey,
mon frère, est-ce qu'il y a beaucoup d'autorité? Mon temps est fini. Sautez le combat dans les hauteurs.